un corps humain en cire. C'est avec cette relique d'époque qu'est introduite l'exposition consacrée à André Vézal. Né à Bruxelles en 1514, André Vézal a révolutionné la médecine en s'intéressant notamment à l'anatomie. Il fut le médecin personnel de l'empereur Charles Quint. Charles Quint, qui est à l'honneur du Family Day ce dimanche au palais du Caudenberg. Vous, aujourd'hui, vous êtes Vézal. Oui, ou en tout cas un de ses modestes disciples. C'est à Bruxelles que Charles Quint a résidé le plus longtemps au cours de son règne. Voilà. Et donc on a autour de lui bien toute une cour, des palais comme celui que nous trouvons ici, le palais d'Oogstraten, et de grands personnages qui sont au service de l'empereur, et notamment son médecin, André Vézal. Toute la journée, le Caudenberg se met à l'heure de la Renaissance. Costumes d'époque, jeux d'époque, tirs à l'arbalète, les visiteurs découvrent à quoi ressemblait la vie sous Charles Quint. À midi, le musée propose un buffet avec des recettes du XVIe siècle. L'occasion de découvrir des saveurs quelque peu surprenantes. C'est un peu spécial, mais il faut avouer, oui. C'est un petit goût sucré. Ce sont des rillettes et de la hure, de la tête de hure. On mangeait bien à l'époque ? Ah ben, j'étais très jeune, mais ça me rappelle de bons souvenirs. La cuisine de la Renaissance est un véritable jeu de piste, avec des mélanges sucrés-salés et de subtils mélanges d'épices. Le gingembre, la cannelle, la girofle, la muscade, le genévrier, surtout toutes des épices qui développent des arômes très subtils et qui vous, justement, vous font penser à ces... Il y a beaucoup de mélanges sucré-salé, je crois, avec de la viande mélangée avec... Exact, c'est ça. Sucré-salé, acide aussi. Donc les aigres doux, c'est vraiment l'époque. Pour découvrir Charles Quint, quoi de mieux que les vestiges de cet ancien palais qui fut sa résidence lorsqu'il vivait à Bruxelles. Le Family Day s'inscrit dans le cadre du festival Carolus Quintus, une belle occasion de valoriser Bruxelles à travers cette époque. C'est un voyage dans un autre temps qu'on propose donc au public bruxellois et international. C'est un long week-end aujourd'hui, donc il y a beaucoup d'étrangers, des Italiens, des Espagnols, des Hollandais. Donc on accueille tout ce public-là avec beaucoup de bonheur. Le festival Carolus Quintus dure jusqu'au 30 août 2015. L'exposition Vézal, médecin de Charles Quint, continue au Caudenberg.